La commune de Touffreville-sur-Eux. Le viaduc de Touffreville-sur-Eux a été inauguré le 22 août 1885. La construction de la ligne Dieppe-E, longue de 40 km, a duré 3 ans. La ligne comporte 6 gares, 13 passages à niveau, 25 aqueducs et surtout 2 viaducs, celui de la ville d'Eux et celui de Touffreville avec 9 arches pour franchir la vallée de l'Yerre. La ligne était exploitée par la Compagnie de l'Ouest. Avant 1914, 5 omnibus reliaient quotidiennement en 1h45 Dieppe au Tréport. Entre les deux guerres, le trafic fut réduit à 3 omnibus. En octobre 1938, la ligne fut fermée aux voyageurs. Seul le trafic marchandises perdura jusqu'en 1972. En décembre 1986, les 17 km de voies entre la ville d'Eux et Saint-Quentin-au-Bosc sont rachetés à la SNCF pour les transformer en sentiers de randonnée. Le chemin vers Dupticot est né. Le loup pendu. Du Moyen Âge jusqu'au début du siècle, le loup était aussi dangereux pour les gens que pour les animaux. À la fin du XIXe siècle, on dénombrait environ 20 000 loups en France. Ce fut Charlemagne qui, pour préserver le peuple des massacres causés par le loup, créa les officiers de louveterie. François Ier détermina de manière plus précise la fonction de grand louvetier en nommant dans chaque province des officiers responsables. L'éradication du loup, décidée par les autorités, par une loi du 3 août 1882, était confiée au lieutenant de louveterie. Au hameau de Litteville, rattaché à Touffreville, il existe un lieu-dit appelé le loup pendu. Il s'agit de l'endroit où le dernier loup de la région a été exécuté en 1930. Comme il était de coutume à l'époque, les lieutenants de louveterie pendaient les dépouilles des loups aux arbres pour montrer à la population que leur mission avait été exécutée. L'église Saint-Sulpice de Touffreville-sur-Eux est un édifice du XIIIe siècle, de style ogival primitif. Elle a été restaurée dans la première moitié du XIVe siècle, suite à la destruction du collatéral sud. On peut y admirer un important clocher-porche à flèche pyramidale en ardoise. Le premier week-end de juin, Touffreville-sur-Eux fête le fromage. Il est organisé dans la commune un grand marché fermier. De nombreux producteurs de fromage proposent leurs produits ainsi que d'autres produits régionaux. Les nombreuses animations font revivre les traditions anciennes.